6 des 10 enfants ont pu être relâchés. Et écoutez bien, parce que regardez, certains parfois on néglige nos actions, on pense que c'est rien, mais par la cause de tous ces médias là, arabes qu'ils ont propagé toutes ces choses, etc., ces enfants ont pu être renvoyés et ils ont pu, les parents, aller. Ils sont partis à l'endroit là, à Marseille, dont on a parlé dans la précédente vidéo. Et subhanallah, quand ils sont arrivés, c'était vraiment émouvant là, quand ils ont raconté, puisque lui, il s'appelle Salim, c'est le fils de Omar. Lui, c'est Ryan, c'est le fils de la sœur. Même quand ils ont vu leurs parents, ils n'arrivaient même pas à croire que c'était leurs parents. Et Mesakine, ils ont pleuré, etc. Ils ont réussi à les reprendre. Malheureusement, c'est pas les 10, il y en a eu 6. Et faut, Inch'Allah, j'espère que chacun d'entre vous vont faire des efforts pour faire attention à leurs enfants. Faut pas négliger, faut pas croire que vous êtes, c'est tranquille. Ces gens viennent dans vos villes, même si vos villes sont connues pour être tranquilles. Et on n'a pas, ils peuvent pas dire énormément d'informations parce qu'il y a une enquête, il y a toutes des choses derrière avec l'État. Et bien sûr, il y a aussi des représailles graves qui peuvent arriver. Donc, alhamdoulilah, ils sont revenus. Mais en tout cas, faites très attention à vos familles.